Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre, à l'une des fêtes de mes sœurs qui viennent de passer pour l'école. Il est 10h40. Bon, ok. Bon, avant de vous présenter les matchs que j'ai joué avec Sam hier soir, et aussi une partie de mes soirs était un petit peu chaotique, surtout parce qu'en cause que j'ai recroisé une autre fois Sivalrai. Le Kokoro qui est ici, là, puis Eric 166 avec son Lucina, des fois il se permet. Moi je trouve qu'il se permet un peu trop de son. Des attaques spéciales de Lucina, surtout le compte qui n'arrêtait pas de temps d'utiliser à chaque 3-4 attaques, là, c'était fatigant au bout. Puis c'est comme ça que Rusta a gagné sa partie à 3 joueurs de toute façon. J'ai quand même résisté jusqu'à 65% avant qu'il vienne me saisir pour enfin gagner son 3ème KO. Pour l'emporter de plus 2. À plus 2. Mais j'essayais de pouvoir me donner des KO, mais lui il arrêtait pas de se mettre en plein centre, puis il a actionné son compte avec le Lucina et le B plus bas. Ok. Dans le fond, c'était ça, puis il y avait au départ, c'est ça, c'était ces trois joueurs-là qui étaient là avec Fistman. Lui, il était vraiment peureux comme joueur. Il était très peureux. Ok. Mais moi je trouvais que Eric 06, je trouve qu'il joue mieux Ganondorf que Lucina. Parce que Lucina, je trouve qu'il se parle un peu trop par rapport à Ganondorf. Puis il a toujours gagné ses matchs. Pour nous trois, on a juste gagné un seul match chacun. Puis je me suis retrouvé au départ en mort subite contre Larry pour une revanche. Mais là, il est arrivé un imprévu. Mon coup était supposé de passer, puis je sais pas comment qu'il a fait pour réussir à faire l'esquive rapidement. Puis c'est comme ça qu'il a réussi à l'emporter. Il a réussi à m'esquiver, c'est ça qu'il a eu comme changement en mort subite. Puis après ça, c'est un coup vers le bas avec un coup de langue, puis il m'a battu. Buzzer contre Larry. Mais avant tout, je voudrais vous montrer un truc vraiment fucké. Ok, vraiment de fucké, parce que... L'enregistrement que vous allez voir, ok, seulement que la moitié du temps, il est bon. Est-ce que vous m'avez déjà vu m'auto-détruire tout seul? Non, mais il va arriver ça ici, puis c'est pas ce qui est réellement arrivé quand j'ai joué avec Kokoro. Je pense que. J'avais peur un peu au départ parce que je savais que Phobia allait jouer contre moi. Mais je savais pas c'était quoi l'attitude des autres joueurs. Puis Kokoro a joué avec lui, contre moi. Mais j'ai gagné, sauf que j'ai gagné 3 KO sans chuter et Kokoro n'a pas subi de chute. Je l'ai pas trop dérangé. Puis je me souviens d'avoir fait un smash contre le joueur Phobia qui s'est probablement transformé en ordinateur parce qu'il y a eu un lag à partir de 1 minute 20, 1 minute là à peu près. Ok, puis c'est ça, j'ai remporté 2 KO contre lui puis 1 KO contre le joueur de Captain Falcon. Puis bizarrement, les deux sont transformés en ordinateur. Pourtant, je suis sûr que Star Pop était encore là, mais Phobia était plus là. En cause du lag. Il a sûrement essayé de déconnecter, ce qui m'arrangeait bien à mon affaire. Ok, ces trois-là jouaient contre moi, puis ils méritent une mentalité pour ça. Mais je me suis pas auto-détruit. Je pense que tu as fait au-dessus de 40%. Mais vous allez voir que je sais pas pourquoi que le jeu a fait. L'enregistrement a fait ça. Mais ce que vous allez voir ici. N'est pas ce qui est arrivé. Bon, veuillez m'excuser pour l'interruption. Là, je pourrais poursuivre. Bon, ok, je disais, ok, qu'il est arrivé un truc de fucké avec l'enregistrement de cette vidéo-là quand je l'ai enregistré. Parce que moi, je manifeste une plainte parce que ces trois joueurs-là ont joué contre moi. Je peux me demander, entre 1 minute 20 à 1 minute, il va arriver un lag, puis probablement que Phobia a été déconnecté, ce qui arrangeait bien mon affaire. Et je me souviens d'avoir fait un smash contre lui pour lui donner un deuxième KO. Puis j'avais remporté mon match 3 KO sans chuter. Et Kokoro n'a pas chuté lui. Mais ces trois-là jouaient tous contre moi. Phobia, je le savais qu'elle jouait contre moi. Je sais pas pour quelle raison qu'il veut tout le temps jouer contre moi. Je sais pas pourquoi qu'il veut s'acharner jusque sur moi. Je comprends pas. Puis les autres l'ont suivi. Puis Kokoro, c'est lui, il doit savoir que je suis parce que genre on a joué ensemble ici. Mais il a perdu sa mort subite. C'est pas un shield. Maman, arrête, je suis en vidéo! Chris, tout le monde va t'entendre sinon. Attends une minute, s'il te plaît. Laisse-moi donc 5 minutes.
Veuillez m'excuser là, parce que moi ça m'énerve là, parce que tout le monde n'arrête pas de parler pendant que je fais une vidéo, puis ça me fait chier. J'ai pas besoin de toute ma concentration pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ok, Coco était là, puis il y a eu une mort subite contre Eric 666, puis c'est pas un shield qui va arranger quoi que ce soit. Moi, je m'attendais vraiment qu'il allait faire une saisie, ce gars-là, puis c'est ça. Il a fait la même chose ici à la fin pour me mettre KO. Bon, ok, c'est ça. Bon, ok, écoute. Donc, c'est ça, une peine pour ces trois-là, mais il est arrivé un truc de fucké là-dedans, parce que, genre, une partie de cette vidéo-là est fausse, parce que, est-ce que vous m'avez déjà vu m'auto-détruire? Ça sans raison inexpliquée. Non. Habituellement, quand je fais une auto-destruction, c'est parce que je le fais pas exprès. Hein? Vous avez vu des milliers de vidéos que j'ai passées sur YouTube. Vous savez, vous autres. Je vais vous expliquer quand est-ce que c'est arrivé. C'est tout juste appelé mon premier KO. Je vais vous dire, pour l'instant, ça va être... Il va arriver... Ce qui va arriver au début, c'est tout ce qu'il y a de normal. Regardez ici. Vous avez vu? Là, à date, tout est normal. Ils jouent tous contre moi, vous voyez. Vous pouvez dire que la dégradation de format m'avait un peu aidé, oui c'est sûr, mais j'ai vraiment bien joué là. Le résultat que vous allez voir n'est pas le même. Là, tout se déroule comme prévu. Non, raté. J'ai bien fait ces mouvements-là. Voici mon premier KO. Oui, c'est comme ça que je l'ai fait. Bon, allons voir à partir d'ici qu'est-ce qui va se passer. Là, on dirait qu'il y a un petit problème ici. Là, c'est pas normal qu'est-ce qui arrive là. La vidéo est fausse ici. Regardez, vous voyez? Moi après la saisie, moi je lance direct mon adversaire, je fais pas ça de même, vous voyez? Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Regardez. J'ai pas fait ça. Regarde, vous voyez, je joue pas de même d'habitude, moi, là. Vous le savez. Regardez, même quand Kokoro, il s'est suicidé. Mais il l'a pas fait. Je vous dis en pleine face qu'il a pas chuté. Puis il a pas remporté de points non plus. Vous voyez, il y a un truc d'anormal dans cet enregistrement-là. Puis ça se passe dans la dernière minute. Vous voyez, tous les mouvements que vous avez vus, ok, c'est pas ça qui est arrivé. Comme vous avez vu, il n'y a pas eu aucun smash. Moi, je me rappelle d'avoir fait un smash sur le joueur Phobia. C'est pas lui qui a gagné, c'est moi qui ai gagné. Puis avant ce match-là, mon pourcentage de victoire était de 54,08 pour les parties à 4 joueurs. Puis avec cette victoire, c'était 54,9. Vous voyez, c'est un truc de fucké. J'aimerais savoir ce qui est passé la deuxième partie de cet enregistrement-là. Parce que je comprends pas pourquoi que ça a fait ça. Ça fait la toute première fois que ça arrive. Genre, qu'une partie d'un enregistrement vidéo pour le Juste Plus ma boîte sur Nintendo 3DS soit fausse. On dirait qu'il est arrivé. On dirait au même moment qu'il y a eu du lag, il y a eu un bug dans le jeu. Ce qui fait en sorte qu'il y a un genre de résultat de même. Mais c'est pas réellement ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai remporté mon match 3 avec 3 KO sans chuter et Kokoro, lui, n'a pas chuté. Donc aussi, je l'ai pas trop dérangé parce que je le savais de toute façon. Moi, je me suis... J'ai focusé pour essayer de gagner des KO tranquillement. Puis lui, il avait chuté deux fois, juste pour vous dire. Il avait pas ce résultat-là. Mais aussi, regarde, vous voyez que c'est anormal parce que, genre, je me souviens d'avoir donné 2 KO à Phobia, ça je m'en souviens. Dont le smash que vous avez pas vu.
Parce que c'est arrivé à la fin environ. Ouais. Regarde, je vais juste vous montrer ma statistique. Parce que sinon, ma statistique aurait baissé de 1 centième de pourcent, de 2 centièmes de pourcent. Soit à 54,06 ou 54,07. Je vais même vous montrer ma statistique à 4 joueurs. Mais c'est ça, je me suis fait poser 3 joueurs parce qu'ils ont joué contre moi, vous avez bien vu. Mais la dernière minute, ok, c'est pas ça qui s'est passé, pour de vrai. C'est réellement pas ça. J'ai fait 2 KO contre le joueur de Ganondorf, dont le smash que vous avez pas vu. Le smash côté. Qui était si déroulé à toute fin. Puis Kokoro n'a pas chuté non plus. Moi, je vous dis la vérité. Un instant! Non, c'est pas ça. Bon, ok, on y est. Regarde, vous voyez? Mon pourcentage de victoire est à 54,09. Et je me souviens très bien qu'avant ce match-là, ma statistique était de 54,08. 08. Donc, il y a un truc anormal qui s'est passé, en tout cas, lors de l'enregistrement, parce que c'est pas vraiment ça qui s'est passé lors de la dernière minute. Donc, j'aimerais demander à ceux-là qui auraient peut-être l'enregistrement de ce match-là de bien vouloir me le montrer, parce que je suis sûr que c'est pas pareil comme que c'est ici. Oui, après, mais attends, là, arrête de m'interrompre, s'il te plaît, ok? Ou je vais tout vous tuer ici. Excusez-moi, là, parce que là. Bon, c'était écœuré, c'est bonac, il m'a fait la déranger. T'as acheté chiant, là. Je te dis, moi, je suis à la frustration un matin, là, ça n'a pas d'allure. Bon, donc, c'était ça, là. Alors, je me demande où est passée la vraie partie de ce match-là. Parce que la dernière minute, c'est pas ça qui s'est passé. Vraiment pas. Puis l'autre peut le confirmer aussi parce qu'il était là. Il y a eu seulement un bug dans l'enregistrement. Puis j'aimerais ça que ça soit réglé, s'il vous plaît. Merci. Ok, puis je vais avoir la vraie partie qu'il y a eu pendant ces 2 minutes-là.